Bonjour, je m'appelle Alice. Je suis en deuxième année au DUT Packaging, Emballage et Conditionnement de Castres. Avant ça, j'ai fait donc un bac économique et social avec spécialité maths à Royan, donc c'est pas très près de Castres. Et en dehors du DUT, je prends aussi des cours à l'École des Beaux-Arts de Castres pour compléter ma formation. Donc après le bac, je me suis plutôt orientée vers un DUT, puisque c'était un peu comme au lycée, il y avait des cours dans des classes assez réduites. Les professeurs allaient nous suivre et ça allait être plus, on allait être plus encadré, on va dire, qu'à la fac ou dans une autre formation. Et du coup, j'ai cherché pas mal de formations sur Internet et j'en suis arrivée à trouver le packaging. Ça m'a plu puisque ça regroupait des aspects assez scientifiques mais aussi créatifs. Et je me retrouvais bien là-dedans parce que j'avais pas fait beaucoup de sciences au lycée, donc ça me manquait un peu. Et puis, je suis arrivée à Castres parce que il n'y avait pas beaucoup de DUT packaging en France. Donc, Castres était le plus proche de chez moi. Donc, je suis là. Donc, le DUT packaging, emballage et conditionnement, il regroupe trois axes. La conception, la logistique et la qualité. Moi, ce que je préfère, c'est l'axe de la conception. Et après le DUT, je voudrais poursuivre vers une école d'ingénieur ou alors un master en packaging. Et après, pour travailler dans un bureau d'études en conception, plutôt vers le carton, faire des emballages carton, les créer, faire des maquettes, tout ça, ça m'intéresse.